Le 4 avril dernier, le premier couple homosexuel a fait son entrée dans Marié au premier regard. Lundi 17 avril, au cours d'un entretien accordé à Gala, Jefferson et Pedro sont revenus sur leur coup de foudre dans l'émission. La 7e saison de Marié au premier regard bat son plein. Pour la première fois de l'histoire du programme, un couple homosexuel va se dire oui devant les caméras. Pedro, 40 ans, est tapissier décorateur, tandis que Jefferson, âgé de 31 ans, est directeur d'agence en assurance. Malheureusement, l'émission du lundi 10 avril 2023 s'est achevée sur une nouvelle inquiétante, l'hospitalisation de Jefferson. En effet, quelques jours avant son mariage, le candidat de 31 ans a été victime d'une agression homophobe alors qu'il sortait avec des amis. Il y avait deux personnes qui me frappaient, une qui tournait autour de moi qui sifflait en chantonnant pour ne pas qu'on entende mes cris et qui m'ont volé tout ce que j'avais, a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à Pure Break. Par chance, j'avais des égratignures au visage, mais je n'étais pas défiguré, a précisé Jefferson. Jefferson et Pedro se confient sur leur rencontre lundi 17 avril, les téléspectateurs assisteront au mariage de Pedro et Jefferson. Lors d'un entretien accordé à Gala ce lundi, les deux hommes sont revenus sur leur coup de foudre lors de leur première rencontre. Je l'ai d'abord vu de dos. Puis, lorsqu'il s'est retrouvé, il m'a souri et je me suis dit, ok, pas mal. Là, c'est un match. J'ai vraiment été absorbé par son premier regard. Pedro est tout à fait mon style, a expliqué Jefferson. Quand je l'ai vu, j'ai remarqué qu'il avait un grand sourire. Jefferson était très solaire et charmant. Directement, je n'ai pensé que du bien de lui, a de son côté expliqué Pedro, avant de revenir sur son état d'esprit le jour du mariage. Je ne voulais pas me prendre la tête. Je me suis dit, tu vas te présenter à la cérémonie et tu verras à ce moment-là, a ajouté le tapissier décorateur. Des confidences touchantes.